Salut les amis, c'est Thibaut de Guitar Plug and Play, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test matos et aujourd'hui je vais vous présenter une guitare vraiment incroyable, il n'y a pas d'autre mot pour la qualifier, je trouve que c'est une innovation exceptionnelle et franchement j'en suis pas encore remis. Il s'agit de la Firth Little Jane LJ10, une guitare de voyage, nomade et surtout démontable qui tient dans un sac à dos, c'est un truc complètement dingue. Je vous présente tout de suite comment ça fonctionne et surtout je vous montre comment elle sonne. Si vous ne connaissez pas encore Firth, dépêchez-vous de vous renseigner. C'est une jeune marque tchèque qui propose des guitares avec un rapport qualité-prix vraiment exceptionnel. Donc ça, c'est ma Firth Violette. J'en suis équipé depuis plus de 2 ans maintenant. J'en suis hyper content. C'est un budget, si je vous dis pas de bêtises, à peu près dans les 800 euros. C'est un modèle électroacoustique, donc c'est déjà une très belle guitare folk. Mais on va dire que c'est un petit peu l'équivalent chez Martin de leur gamme dans les 1300-1400 euros, quoi. Donc on est quasiment 2 fois moins cher pour une qualité de lutherie, très franchement, qui est largement au même niveau que la marque américaine. Donc moi, j'en suis hyper content, que ce soit le confort du manche, la tenue d'accord, la projection, le timbre, la finition. C'est vraiment une très très belle guitare. Et d'ailleurs, c'est le cas chez toutes les guitares Firth, hein, évidemment. Je vous la présente. Alors, c'est celle que vous entendez déjà dans tous mes tutos acoustiques, hein. Voilà, juste pour vous donner une petite idée de la projection sonore, même si là il serait grand temps que je change mes cordes. Et comme ça, ça va nous permettre de la comparer avec la Little Jane au niveau du gabarit et du son, que vous puissiez bien vous rendre compte des différences. Je suis de retour sur la Little Jane et j'en profite au passage pour vous préciser que même si je fais un gros coup de pub dans cette vidéo pour Firth parce que j'adore la marque, c'est absolument pas ni rémunéré ni sponsorisé, je pense qu'ils ont jamais entendu parler de moi, mais par contre un grand merci à Station Musique, le magasin rennais avec qui je suis partenaire depuis toujours et qui sont toujours aussi cool en me prêtant tout le matos dont j'ai besoin, et c'est grâce à eux que je peux vous présenter cette petite Firth qu'ils avaient en magasin. Donc, avant de vous montrer comment on la démonte et on la remonte, voilà, sachez qu'ici, cette petite guitare a vraiment tout d'une grande. On est sur un instrument haut de gamme, hein, très clairement, donc évidemment tout en bois massif. La table est en cèdre, éclisse, dos et manche en acajou, et d'ailleurs au niveau du manche on a aussi du carbone pour l'alléger et lui garantir une meilleure tenue. Donc évidemment, format compact, on a un petit peu le sentiment de jouer sur une guitare 3/4, mais pas du tout au niveau du manche. Alors en effet, dont le diapason est beaucoup plus court que sur une guitare normale, grosso modo on perd à peu près une case et demie, hein, pour vous donner une petite idée. J'ai mesuré entre le manche ici de ma Violette et le manche de cette guitare-là. Si j'essaye à peu près de les aligner, voilà, vous voyez que grosso modo, on a une bonne grosse case comme ça de différence. Mais très franchement, au niveau du jeu, c'est vraiment pas gênant. Même moi qui ai plutôt des grosses paluches, je suis senti tout de suite très à l'aise sur la guitare. Et tous ceux qui ont des petites mains, bah, vous serez vraiment au paradis. Alors pour autant, on a quand même une largeur de manche qui est tout à fait confortable. Elle est assez large, comme souvent chez Firth. Moi j'aime beaucoup. Avec une touche très plate, on a un toucher vraiment assez moderne, hein, sur ces guitares. Donc très agréable à jouer. Et du coup, bah, si je vous fais un petit peu entendre ce que ça donne... Alors sachant qu'on a beaucoup de nuances au niveau de l'endroit où on va attaquer les cordes, hein. Mais franchement, je sais pas si on s'en rendra bien compte dans la vidéo, mais la projection de ce petit truc, c'est complètement bluffant. Enfin, je sais pas comment c'est possible, techniquement, qu'une telle puissance sorte d'un truc aussi petit. Et franchement, alors... Par rapport à la Dreadnought qui est à côté, évidemment, on a quand même une puissance qui est plus importante et aussi plus d'assises dans les graves. Voilà. Mais c'est pas du tout le jour et la nuit non plus, hein. Et là, franchement, avec ça, on vous entend sans aucun problème à l'extérieur. Sans aucun problème non plus si vous voulez vous accompagner pour chanter, s'il y a d'autres instruments avec vous. Elle est hyper équilibrée, que ce soit au niveau voilà, de la consistance du son. On a franchement pas mal de graves, c'est très bien équilibré au niveau des fréquences. On a un beau timbre aussi et vraiment une belle projection. Mais en fait, là où ils ont été très malins chez Firth, c'est qu'en plus de cette sortie-là, sur le haut ici, on a une autre ouverture qui nous permet de ranger le manche, mais du coup qui fait aussi sortir le son par ici. Donc nous, on l'entend très bien et ça permet d'avoir un peu plus de projection. Alors que ce soit voilà, sur les accords ouverts comme je suis en train de faire ici, hein.
tous les plans qui vont être beaucoup plus funky. Ça va très bien marcher en blues. Voilà, si je veux récupérer plus de bas, hein, j'hésite pas à venir un petit peu attaquer ici sur la touche. Mais quand on est voilà, en position de jeu standard, on a vraiment un son hyper équilibré avec une belle projection des graves. Donc honnêtement, elle est tellement bien au niveau du rendu sonore que moi j'hésite à revendre ma grosse folk pour garder uniquement celle-ci. Je vais pas le faire parce que là, vu que le manche est quand même un peu plus court, ça va vraiment trop changer mes habitudes de jeu. Mais franchement, si la touche était de la même taille qu'un manche standard, j'aurais revendu la grosse parce que là, le compromis est tellement cool que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, si vous vous posez des questions sur le fait que c'est un petit format, que du coup ça fait un peu joujou et qu'on va perdre en qualité de son, vous vous plantez sur toute la ligne. On est vraiment sur un instrument haut de gamme et ça se ressent très clairement au niveau des performances de la guitare. Donc, je vais finir un petit peu le tour du propriétaire, quoiqu'on a déjà dit pas mal de choses. Au niveau des mécaniques, alors ce qui est incroyable aussi, c'est que même quand on démonte la guitare et qu'on la remonte, on n'a pas besoin de se réaccorder. Donc on a des mécaniques bloquantes ici à l'arrière avec une très très bonne tenue de l'accord. Ici, on a un scie un petit peu spécial avec des gorges entières. En fait, les cordes sont glissées à l'intérieur, donc je pense que ça participe aussi à la bonne tenue de l'accordage quand on démonte toute la guitare. Et évidemment, comme sur toute guitare folk, hein, vous avez les accroches-sangles aux deux extrémités, donc vous pouvez très bien jouer debout. Donc voilà, si je recompare un petit peu les deux modèles l'un à côté de l'autre, hein, que vous puissiez vous rendre compte de la différence de format, voilà, c'est clairement beaucoup moins encombrant. Après, des guitares de cette taille-là, on en trouve déjà. Hein, par exemple, il y a les Martin, donc les Little Martin, qui sont autour des 600€, qui font à peu près le même format, sauf qu'elles se démontent pas. Et franchement, alors moi j'ai pu essayer les deux chez Station Musique, il n'y a pas photo en matière de qualité sonore. Sincèrement, sur la Furch, on est à des allées-lumière. En tout cas, c'est mon avis. En termes d'équilibre du son, de projection, de puissance, ça n'a rien à voir. Et après, il y a aussi les Lava Mi 2 qui sont assez spéciales au niveau du look, qui permettent de faire pas mal de choses. Mais après, c'est du composite. Voilà, c'est plus du bois massif comme ici. Donc là, c'est plus une question de philosophie. Et surtout, elles se démontent pas non plus. Donc si vous cherchez une vraie guitare nomade qui peut vraiment prendre un minimum de place, il y a vraiment pas beaucoup d'autres alternatives au final que cette guitare Furch. Thank you.
L'atout principal de cette Little Jane, c'est que pour un format aussi compact, elle sonne vraiment super bien, comme vous avez pu l'entendre, mais là où elle va encore plus loin, bien sûr, c'est qu'on peut démonter le manche pour gagner encore plus de place et vraiment la faire tenir dans un sac à dos. Donc, je sais pas comment s'est débrouillé Furch pour créer ce système, mais c'est vraiment incroyable qu'on puisse enlever et remettre intégralement un manche de guitare sans toucher aux cordes, et surtout quand on remonte l'installation, ce soit encore accordé. C'est franchement bluffant. Donc, comment ça se passe, en fait? Ici à l'arrière de la guitare, j'espère que vous verrez bien, on a voilà une petite mécanique qu'on vient soulever, et dès que je vais soulever ce cran ici, voilà, en fait ça va complètement relâcher la pression dans le manche. Donc là je me retrouve avec mes cordes qui sont complètement détendues, je vais rappuyer un petit peu sur le manche ici pour pouvoir soulever l'ergot, ça vient se rabattre après à l'intérieur de la guitare, et là je peux déclipser le manche. Donc ça se fait vraiment super bien, et une fois que j'ai fait ça, je viens enlever la tête ici tout simplement en tirant dessus. Donc là je me retrouve avec mon manche qui est très léger. Alors voilà, on voit que c'est quand même pensé spécifiquement pour que ce soit manipulé de nombreuses fois. Là, il y a des pièces en métal. Et franchement, quand on voit la conception du truc, on est vraiment en confiance. Parce que la première fois que j'ai déclipsé la guitare, ça fait quand même un bruit un peu impressionnant et tout. Je me suis dit, oula, j'ai tout pété. Mais non, non, on voit que c'est conçu pour, il n'y a pas de souci. Tout fait vraiment très solide. Et là, la pièce de bois qui est ici, voilà, on sent que c'est un truc qui est hyper bien usiné. Il n'y a rien qui dépasse. Et on n'a pas l'impression que ça va se casser dans 2 mois. Alors évidemment, la question, c'est combien de cycles, combien de centaines ou de milliers de cycles on peut faire sur la guitare avant qu'il y ait un petit peu de jeu. Ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est vraiment très très bien conçu. Et moi, je suis pas très inquiet. J'ai pu échanger un peu d'ailleurs avec un abonné Guitar Plug and Play qui a la guitare depuis un petit moment. Il l'a pas mal manipulé. Il a aucun souci à déplorer jusqu'à aujourd'hui. Ça fonctionne toujours aussi bien. Tout est toujours aussi stable. Après, évidemment, vous dire si dans 10 ans, tout sera toujours aussi nickel, ça, je peux pas le faire. Mais vu la qualité et le sérieux de Furch, franchement, je suis pas très inquiet. Enfin bon, tout ça pour vous dire qu'en tout cas, ça respire vraiment la solidité. Donc ça, c'est pour le manche. Sur la tête de la guitare, bah, vous voyez qu'on a toutes les cordes qui sont restées fixées. Et ici, c'est pareil, on a une incrustation métallique, en fait, qui permet de venir clipper tout simplement la tête dans le manche. Et ensuite, quand on veut ranger tout ça, donc la partie manche, on va venir la glisser ici dans l'ouverture qui est faite pour. Donc je rentre le bas du manche, hein, c'est-à-dire le côté tête. Alors là, je vois rien parce que je vous montre ça dans la caméra. Ici, et à l'intérieur, voilà, on a une autre prise qui permet de vraiment venir bien le ranger. Ensuite, on prend le sac à dos. Hop, donc j'ai simplement à venir poser la guitare ici. Bon, là, je fais un petit peu attention à mes cordes de pas trop tout mélanger. Je les penche un petit peu là sur le côté. Et en fait, ici, on a une petite poche qui est faite spécifiquement pour ranger la tête. Donc là, je vous fais vraiment la démo en live. Hein. Voilà, donc là, j'ai ma guitare qui est rangée. Je peux refermer mon sac à dos. Vous voyez que c'est une taille tout à fait standard. Ça fait à peu près penser à un sac Eastpak qui est bien rempli. Mais en gros, dans la voiture, ça se cale sur le côté du coffre. Vous pouvez trimballer ça en avion, en cabine, sans problème. Et le gain de place, il est vraiment énorme. Même entre une mini guitare, mais qui doit quand même tenir dans une housse avec le manche qui dépasse et tout. Et le fait d'avoir ce sac à dos qui a un format beaucoup plus pratique, pardon, ça change vraiment tout. Et d'ailleurs, vous pouvez même trimballer votre petit stand de guitare si vous en avez besoin. Je vous le présente, ça fait partie des objets que je trouve très cool dans la vidéo qui s'affiche là-haut si ça vous intéresse. Un stand très compact, voilà, Hercule, qui tient sans aucun souci, hop, voilà, dans une des poches de la guitare. Et là, les poches, il y a un peu de rabat, hein, donc vous voyez que vous avez quand même la place de mettre pas mal de trucs, donc que ce soit vos songbooks, vos médiators, vos cordes. Voilà, c'est un vrai beau sac, c'est pas le petit sac en tissu tout pourri, on est vraiment en confiance. Alors c'est sûr que si vous passez un coup de marteau-piqueur dessus, je pense que la guitare va pas tenir le choc. Mais en tout cas, voilà, on sent que ça a été prévu avec des belles protections, beaucoup de rembourrage pour que l'ensemble tienne le coup dans la durée. Et donc si maintenant je veux remonter ma guitare, bah c'est exactement la même chose à l'envers. Mais je vais vous le faire en direct pour vous prouver qu'on n'a même pas besoin de se réaccorder. Du coup, j'espère que ça va marcher. Donc je sors mon manche. Ensuite, je reprends ici la tête, donc pareil, là je vérifie que je ne me suis pas emmêlé avec mes cordes. Voilà. Ensuite, je viens clipper ici le manche avec la tête. C'est vraiment très facile à faire. Je redresse la guitare. Donc là, je ressoulève la partie métallique ici. Je viens clipper le manche
Donc là, il n'y a pas de clip, en fait, ça vient juste s'encastrer dans le bois, mais c'est assez naturel de faire ça. Et là, évidemment, je n'ai pas assez de force pour pouvoir coller le manche au corps. Donc là, je vais prendre le petit ergot qui est ici, je viens le placer au niveau de l'encoche du manche. Et là, je tire doucement, en vérifiant bien que mes cordes sont alignées. Hop, voilà, ça vient se clipper. Et là, ça y est, j'ai ma guitare qui est prête à être jouée. Et vous voyez que ça n'a pas bougé. À part vous dire que c'est incroyable, franchement, je sais pas quoi vous dire de plus. En fait, c'est vraiment bluffant, ce système. Alors, comme je vous le disais, voilà, il faut manipuler les choses avec précaution. Il faut y faire quand même attention, c'est un bel objet. Même si c'est très bien fait et que ça respire la solidité, voilà, il faut prendre le temps de faire les choses correctement pour optimiser la durée de vie. Mais c'est tout simplement bluffant de pouvoir trimballer sa guitare dans un sac à dos n'importe où, de la monter et de la démonter à la demande sans avoir besoin de se réaccorder. Voilà, franchement, chapeau fer, c'est vraiment une innovation qui est magnifique. Donc évidemment, une innovation qui a un prix, puisque vous l'aurez compris, en plus de cet aspect vraiment ultra novateur qui est le démontage de la guitare, on est aussi de base sur un instrument haut de gamme au niveau de sa conception, des matériaux utilisés. Donc le modèle que je vous présente ici, qui est le format folk standard, il coûte autour des 1000 euros. Donc clairement, c'est un budget important et c'est le prix qu'on met dans un bel instrument. Et vous avez la version aussi électro-acoustique avec un micro intégré qui coûte autour de 1200 euros. Voilà, grosso modo, il faut rajouter 200 euros pour la partie électro-acoustique. Donc, pour moi, c'est un tarif qui est tout à fait justifié vu la qualité de l'instrument, vu la projection du son et vu l'avantage énorme qui est qu'on peut le rendre compact et le démonter. Maintenant, c'est pas parce que le tarif est justifié que c'est pas cher. Évidemment, c'est un gros budget, donc il faut y voir un avantage. Et si une guitare comme ça, vous envisagez de l'acheter parce que une fois tous les 5 ans, vous partez 3 jours à la montagne, ça n'a pas forcément du sens, sauf si vous avez plein de sous, et auquel cas, tant mieux pour vous, profitez-en. Mais par contre, si vous passez votre vie dans un van, si vous êtes vraiment un globe-trotteur, que vous êtes tout le temps en avion, que vous faites des longs déplacements professionnels et que vous êtes frustré de ne pas pouvoir emmener votre guitare, pardon, bah là, pour moi, ça a vraiment du sens. C'est un gros budget, mais qui sera très très bien investi, vu la qualité de la guitare, vu le son, et puis vu le côté pratique. Donc voilà, je vous laisse évidemment juge de ce que ça pourrait vous apporter ou pas. En tout cas, si vous avez l'occasion, essayez d'aller la découvrir en magasin pour pouvoir la tester, manipuler un petit peu. Qu'on aime ou pas, ça vaut quand même le coup, juste par curiosité, de pouvoir manipuler cette guitare qui est complètement incroyable. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu, que ça va vous donner envie de découvrir un petit peu la marque Furch. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !